La campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain se poursuit pour la deuxième journée consécutive et les partis multiplient les sorties à travers tout le territoire national. Aujourd'hui, la secrétaire générale du PT était en meeting à Sétif. Louise Hanoun n'a pas mâché ses mots. Le système gouverneur est gangréné par la corruption. Sachez que la chute des hydrocarbures a fait tomber le masque sur la nature de ce système qui sert la minorité. Pour d'autres partis politiques, les prochaines élections législatives représentent un tournant décisif pour le peuple algérien. Le vote des citoyens au prochain scrutin est très important. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président du Front national algérien, Moussa Touati, au cours du meeting qu'il a animé à Mostaganem. Le peuple algérien est maître. Il faut que les citoyens choisissent eux-mêmes leurs élus. Le FNA œuvre à ce que l'État algérien soit un État de droit. Autre parti politique en course, le RND, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique d'Ahmadou Yahya, a considéré lors d'un meeting animé depuis Soukharas que les Algériens doivent conserver la stabilité et la sécurité du pays. Sauvegarder la sécurité et la stabilité du pays signifiera votre soutien pour la concorde civile. La course a bel et bien commencé pour tous les partis politiques et le 4 mai prochain, les Algériens éliront le représentant à l'Assemblée.